C'est au stade Jean-Marie Lafont que l'entente Bessines ANF 87 accueillera le groupement jeune Fun 87 pour une qualification en Coupe Nouvelle-Aquitaine pour continuer à écrire son histoire. Bienvenue à l'US Bessines Mortorolles, donc je me présente Sébastien Rouchot. Donc je suis le président d'un club, un club rural dans le nord du département qui représente à peu près 200 licenciés, tout confondu entre joueurs et dirigeants. Nous sommes représentés dans toutes les catégories, en jeunes, et puis notre groupement de jeunes avec l'ANF en U15 et U17. Aujourd'hui, vous voyez, c'est notre tournoi U11, notre traditionnel tournoi U11, le trophée Jean-Richard Cadet, qui est très important pour nous. Aujourd'hui, nous avons 22 équipes de présentes. Tout se passe bien, donc voilà. Donc merci beaucoup, donc le temps est à rendez-vous, on est super content de vous accueillir. Et à peu près 220 gamins étaient présents ce soir. Merci à tous les bénévoles présents ce soir parce qu'il a fallu les faire manger. Merci à nos arbitres bénévoles aussi et merci à tout le club. Bon les gars, aujourd'hui, match contre le Fun, hein, d'accord, donc c'est une équipe qu'on a déjà affrontée, hein, on va pas s'attarder sur eux, voilà. On avait gagné assez largement, mais bon, aujourd'hui c'est un autre match. Donc les gars, dans l'animation défensive, on va essayer de rester solide, de ne pas prendre de but. Hein, les gars, ça reste quand même un match important où voilà, je compte ne pas prendre de but. On a une équipe solide, les gars. Hein, faut qu'on continue. On a un bon groupe. Regardez, aujourd'hui, on a 3 joueurs différents par rapport à la semaine dernière. Ça prouve la qualité du groupe, les gars. Allez, les gars, allez. Oh, lui, t'es capitaine, je prends les ballons. Ouais. Et tu prends les bras avec vous. Le coup d'envoi pour ce tour de Coupe Nouvelle-Aquitaine est donné par les visiteurs du groupement jeune Fun 87. Les locaux sont les premiers à se montrer dangereux sur ce corner, bien repris de la tête par Evan Rodier qui passe près du cadre. Sur une magnifique passe de Théo Loubert, c'est Lucas Couré qui tente sa chance des jumettes et voit sa frappe finir dans les buts du gardien du GJ Fun 87. L'entente Bessines ANF 87 continue à maîtriser le ballon et c'est encore son attaquant Lucas Couré qui voit sa frappe bien interceptée par le portier adverse. La réaction des visiteurs ne se fait pas attendre et Cyrino Lidi tente une frappe à bout portant mais le gardien est bien placé pour la sortir hors du cadre. Les jeunes de Jesse Ducharlet passent à leur tour et c'est Victor Panira qui tente une frappe lointaine. À la 37e minute, sur une excellente passe en profondeur, Alexis Perrin marque le second but pour l'entente Bessines ANF 87 juste avant que l'arbitre siffle la fin de cette première période. Retour des vestiaires avec un avantage pour l'entente Bessines ANF 87 qui mène 2-0 sur son terrain. C'est les visiteurs qui profitent de ce cafouillage et le ballon, après avoir touché la transversale, revient dans les pieds de William Cantamera qui réduit le score à la 61e minute. Sur ce slalom du milieu de terrain, le latéral délivre une passe en retrait à Oumar Lapierre, gêné par le défenseur, voit sa frappe juste sortir du cadre. La réaction ne se fait pas attendre du côté des visiteurs. Pierre Tricard tente une frappe sans réussite. C'est encore Antoine Pagna qui déborde sur son côté et adresse une passe décisive à Fouad Ousseni qui marque le 3e but juste avant la fin de cette seconde période sifflée par l'arbitre de la rencontre qui permet donc à l'entente Bessines ANF 87 de passer au prochain tour. À la première mi-temps, ouais, c'était pas mal mais... Il n'y a pas eu trop de bonnes actions, on perdait trop de ballons, on jouait pas trop en passe, c'était pas très bon quoi. Bah on n'a pas été très bon mais on a quand même eu la victoire. Mais voilà, on a gagné 3-1. Le jeu était pas ouf, mais on a quand même gagné quoi. Faut mettre de l'intensité, faut pas prendre les adversaires à la légère, d'accord? Donc voilà, on gagne, la victoire est là, c'est la coupe, c'est le principal.
Voilà, on peut s'applaudir. D'accord? Allez, allez, un petit cri de guerre.